et bienvenue à l'office du Riérisme. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un événement sur Marseille. Qui nous tient tout particulièrement à cœur, je dois le dire, le Gentry Tour. Alors, qu'est-ce que le Gentry Tour? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Marseille évolue, Marseille bouge, change et se modernise. Et alors, nous vous proposons avec le Gentry Tour un tour de tous les nouveaux espaces qui, à Marseille, font la différence. Nous allons donc commencer par la Startup Village, le Concept Store éphémère, puis le tiers-lieu, la ferme urbaine, le Fab Lab, sans oublier l'espace de coworking, l'incubateur, le branchmarking, mais aussi le team building, l'éco-café design, puis les terrasses de l'influence, sans oublier la friche industrielle, et évidemment le village underground en container, et enfin la pépinière d'innovation. Et tout ça, nous vous proposons de le faire avec nous en souscrivant à la carte pour pouvoir prendre le bus. Nous terminerons ce tour sur une note gustative. Au comptoir alternatif en plein cœur de Marseille. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année Marseille a été élue capitale de la gastronomie en 2019. Et une question nous taraude, nous ici à l'office du Riérisme, mais le suspense est insoutenable. Quel sera le label pour 2020? De quoi Marseille sera-t-elle la capitale l'an prochain? Et c'est pour ça qu'à l'office du Riérisme, nous vous proposons notre nouveau projet, la postale. Mais alors, qu'est-ce que la postale? C'est très simple, la postale ce sont des cartes qui vous permettent à vous, habitants, de voter et de choisir le prochain label de Marseille. Exactement. Mais ce n'est pas tout, l'office du Riérisme met aussi en place la mentale. Mais alors qu'est-ce que la mentale? La mentale, c'est très simple, c'est une carte alternative que vous pouvez remplir depuis notre site internet. Elle vous permet de nous renseigner sur votre quartier et bien évidemment à nous aider à cibler les zones à gentrifier. Vous aussi, participez à la gentrification de votre ville. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Et surtout, n'oubliez pas, la ville est à nous, surtout pas à vous.